accorde-moi la grâce de les rapprocher de toi. Il est normal quelquefois que l'homme par sa nature s'éloigne de Dieu. Mais tu le dis au Seigneur, lorsque tu manifestes cette volonté de te rapprocher de Dieu, cela veut dire que ta bouche peut être après les oreilles de l'Éternel. Ta voix est entendue et une fois que ta voix percute les oreilles de Dieu, c'est la réponse qui s'ensuit. Merci, cher Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il veut dire?
y a un comportement, une manière d'être, qui doit normalement manifester les hérissons. Nous allons lire un texte de la Bible. Deux passages. Et nous allons comprendre par là ce que Dieu attend d'un hérisson. Josué. Chapitre 14, verset 9. Josué, chapitre 14, verset 9. Et nous allons prendre par la suite le verset 12. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Josué 14. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont a parlé l'Éternel, dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as pris à s'y trouver. Les Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées, l'Éternel sera peut-être avec moi. Et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bienvenue dans le Seigneur. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, ou ce que Dieu nous transmet, c'est d'abord de nous faire connaître que nous sommes des héritiers. La troisième des choses, c'est ce que doit posséder un héritier en tant que en qualité de connaissance. La troisième des choses, c'est l'applicabilité. Lorsque vous lisez cette histoire, nous venons le Seigneur et nous avons la qualité de fils de Dieu. Mais tout fils doit être un héritier. C'est-à-dire, il est appelé à jouir des biens. La seule différence qui nous sépare entre ce qui est matériel et spirituel, c'est que dans le matériel, le testateur est appelé à décéder. Nous avons des parents qui peuvent quitter ces biens, mais qui quelquefois ont le sacré devoir de laisser un testament. À un certain moment, nous pouvons nous contenter. Nous n'aurons plus la voix de la personne. Mais dans le spirituel, le testateur, qui est Dieu, vit à jamais. Tant bien même qu'il y a un testament, mais le testateur est là. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a une usurpation, lorsqu'il y a, par exemple, une déviation à l'héritage, nous pouvons encore faire recours à et il nous donnera la vraie version. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous savons ici que tout le monde peut se réclamer être enfant de Dieu. Et tout enfant a droit à l'héritage. Mais qu'est-ce qui fait que ceux qui se déclarent être enfant de Dieu, on vit qu'il n'approche même pas de l'héritage de Dieu, ou de la richesse de ceux qui sont en train de réclamer comme dans leur père. Dans ce texte, qu'est-ce qui se passe? À l'époque de Moïse, pendant qu'ils étaient en train d'avancer, marcher dans le désert, ils devaient se diriger vers Canaan. Dieu ne voulait pas seulement que la promesse de Canaan reste une lettre. Choisir un prince dans chaque tribu. Comme il y en avait 12, Moïse a choisi 12 princes. Chaque prince devait représenter une tribu. Ils sont allés en expédition. Ils étaient partis
pour explorer Canaan. Et moi, je leur ai dit, prenez le fruit, renseignez-vous sur le pays et revenez. Alors, les 12 princes sont entrés dans Canaan. Chacun devait visiter un endroit particulier. Ils ont vu le pays. Ils ont eu aussi l'opportunité de payer les fruits. Et ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, tout le peuple attendait le rapport venant des cieux qui étaient partis pour explorer. Parmi les 12, 10 sont revenus en disant ceci. Le pays est bon. Les fruits sont là. Mais nous avons vu une race de personnes. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Ils parlaient des descendants d'Anak. Les fils d'Anak. Alors quand le peuple a entendu ça, le peuple a commencé à murmurer. N'oubliez pas que l'Éternel Dieu a passé ce peuple par l'esclavage. Et quand ils ont quitté l'Égypte, ce n'était pas par une certaine facilité que le peuple a quitté l'Égypte. Il y avait des vents qui précédaient chaque délivrance qu'il vivait. Il y avait la menace des pharaons. Il y avait le moment où il mobilisait tout l'état-major de l'Égypte pour attaquer ce peuple. Il y avait le moment où ils étaient butés devant une barrière naturelle. Il a fallu l'intervention de Dieu. Ils ont rencontré beaucoup d'obstacles. Et tout cela, c'était des entraînements pour exercer la foi. Mais malheureusement, au lieu de tirer des leçons par rapport aux délivrances qu'ils recevaient, qu'ils aient retenu les obstacles qu'ils rencontraient. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire que la tempête. Des périodes difficiles, des maladies, des tempêtes, des pressions, des combats. Vous ne devez pas vous focaliser sur les mauvaises périodes. Mais parce qu'à chaque mauvaise période correspond une délivrance. Et regardez, vous allez vous rendre compte. À un certain moment, on peut traverser une période de sécheresse. Mais malgré cette sécheresse, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans d'autres versions, on a dit que les ténèbres ne régneront pas puissamment. Ce qui signifie ce texte de la Bible. C'est-à-dire Dieu n'a pas voulu que les ténèbres soient totales. C'est pourquoi il a placé les étoiles. C'est pourquoi il a placé la lune. Il y a des choses que l'Éternel Dieu amène dans votre vie. Ce n'est pas pour que ces choses demeurent. Mais c'est pour que ces choses changent d'identité. Vous comprenez ce que je veux dire?
chose que l'Éternel. Comment vous pouvez admettre que l'Éternel Dieu, le Créateur, qui a commencé d'abord à nommer chaque chose avant, pendant, avant ou pendant qu'il le créait. Que la lumière soit. Non, avant que nous puissions voir la lumière, nous avons perdu la lumière. Que la mer produise des poissons. Avant de voir les poissons, nous avons entendu les poissons. Que la verdure sorte. Que la terre produise des arbres fruitiers. Nous avons entendu avant de voir. Comment c'est possible que Dieu crée des animaux à qui n'a pas donné une identité? D'accord. Il y a seulement des animaux qui ont existé. Et Dieu par la suite demande à l'homme de nommer ces animaux pour que chaque animal porte le nom que lui donnerait. Il y a une délégation d'autorité. Quand l'homme voyait le chat, il dit tu es le chat. Ça c'est la chatte. Le lion, la lionne. Le chien, la chèvre. Ainsi de suite. La Bible confirme en disant Dieu le faisait pour que chaque animal porte le nom que l'homme lui donne. Parce qu'il était le premier à le faire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quelquefois, lorsqu'une situation arrive dans ta vie, Dieu attend seulement de voir comment tu vas la nommer. Et quand tu commets la bêtise de nommer cette situation négativement, elle portera une négation par rapport. Amen. Une maladie peut arriver. Mais Dieu attend comment est-ce que tu vas l'appeler. C'est comme ça que vous allez voir. À moins est-ce que l'Éternel n'ait pas la même ou les mêmes facultés que vous. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas réfléchir. Dieu ne peut pas agir. Mais s'il veut le faire, comment c'est possible que Dieu ait dit à un homme pauvre? Il lui dit que les pauvres disent qu'il est riche. Votre richesse est où? Dans votre bouche, vous avez une richesse quelque part. Mais l'Éternel sait que le moyen le plus puissant pour créer la richesse, c'est par la mort. D'accord. Il le sait que quand quelqu'un est faible, sa force, ce n'est pas d'abord l'haltérophilie. Il commence à soulever les poids. Mais la force de celui qui est faible commence par sa déclaration. C'est comme ça qu'il dit que les faibles disent que c'est. Amen. Et à chaque instant qu'une situation se présente, tu dois reconnaître qu'on peut le pouvoir de la. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ici, parmi les 12 qui sont allés explorer Canaan, les 10 ont été négativistes. Mais il n'y avait que deux, Josué et Caleb, qui sont venus. Nous avons vu le pays. Le pays est beau. Les fruits sont là. Nous avons vu aussi les fils d'Anak. Mais si l'Éternel nous a promis cette nation, c'est que par sa fidélité, il nous la verra. Ils n'ont pas découragé le peuple. Comme les 10 autres. Certainement. Les 10 avaient regardé le pays avec leurs yeux. Mais les deux autres, Josué et Caleb, ont regardé le pays au travers.
Comme le daltonisme, comme toutes les maladies que vous connaissez. Quand vous regardez un t-shirt blanc, vous voyez que c'est blanc. Mais ce qui porte les verts, ou les lunettes dont le vert sont teintés en jaune. Quand il met le vert, il regarde quelqu'un qui a porté un habit blanc. Il voit que le t-shirt là est jaune. Ce n'est pas que le t-shirt est jaune. Il y a des moments où nous devons voir les situations avec les lunettes de Dieu. Donc nous le voyons avec les lunettes de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous arrivons à confesser ce que les autres le voient. Quand Josué et Caleb ont parlé, Dieu n'a pas tardé à parler. Dieu va dire à Moïse. Les 10 espions qui ont découragé le peuple n'entreront pas dans Canaan. Eux et leurs descendants. Et toute cette génération sera exterminée. Sauf la génération de Josué et de Caleb. Donc Josué et Caleb et leurs descendants. Mais je formerai une autre génération. Et ceux qui sont nés dans le désert, mais qui posséderont Canaan. C'est pourquoi vous verrez, la plupart de ceux qui ont possédé Canaan, la plus grande majorité avait entre 40 ans et en bas. Parce que Dieu les avait exterminés. Fouler le pied de son héritage. Je vais vous faire savoir ce qui se passe dans l'esprit. Est-ce qu'on est d'accord ici que tout le monde a un héritage? Qui reconnaît avoir un héritage? Je ne parle pas de l'héritage matériel. Mais l'héritage spirituel qui va être converti en matériel, qui est convaincu avoir un héritage. Est-ce que vous avez déjà foulé votre héritage? Est-ce que vous avez déjà foulé le pied dans votre héritage? Qui l'a déjà fait? Deux personnes. Trois personnes. Vous savez ce qui se passe? Écoutez, je vais vous expliquer en réalité ce qui se passe dans le songe, la vision et la prophétie. Parce que ces trois éléments révèlent de la dimension de la prophétie ou la parole de connaissance. Bon, je ne parle pas, bon, je ne vais pas me focaliser sur la parole des connaissances parce que ça crée le passé. Hein. Mais la prophétie, c'est le futur. Lorsque vous recevez un songe qui parle de votre futur, c'est que vous avez déjà foulé le pied dans votre héritage. Ça se passe dans l'esprit. Dieu vous amène quelque part. Là où vous serez, Dieu va vous amener dans un mariage pendant que vous êtes célibataire. Dieu va vous amener dans l'opulence pendant que vous êtes encore sans-abri. Dieu va vous amener dans la gloire pendant que vous êtes encore un SDR. Dieu va vous amener dans le pouvoir pendant que vous êtes encore
toi. Quelqu'un comme Joseph avait déjà visité son héritage. Et l'héritage de Joseph a été visité 17 ans avant. Ah, 17 ans avant. Non, 13 ans avant, parce qu'il a eu le son, il a fait ce son, il avait 17 ans. Il est devenu gouverneur à 30 ans, ça faisait 13 ans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La pensée de l'ennemi, lorsque il ne vous a pas empêché de fouler votre pied dans votre héritage, il fera les sortes que vous puissiez vous comporter comme les 10 autres esprits. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes qui ont reçu certaines paroles prophétiques. C'est Dieu qui t'amène dans le monde. Et il te parle. D'accord? Parce que ça ne s'agit pas seulement des songes. Hein? Tout ce qui est des projets dans le futur. Prophétie. Vision. Songe. C'est toi le même là. Peut te permettre de fouler le pied dans ton héritage. Maintenant, lorsque tu reviens, quand tu reviens, déjà, il y a la première génération, Jonathan et ses frères. Au lieu que ses enfants soient stériles, mais que David espère que si la lignée royale, Jonathan commençait à avoir des enfants. Parmi les enfants, Mephibosheth, deuxième génération ou F2. Maintenant, Dieu dit à David. J'étais loin de mon roi. Techniquement, ça devient bon. Il y a un peu de temps. Mais David est devenu roi après ça. Il y a comment on continue à salut. Amen. Amen. Dieu ne peut pas te promettre quelque chose que tu peux faire. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, si tu as besoin de quelque chose que les hommes peuvent te donner, demande à Dieu. C'est ça? Non. Si tu as besoin de quelque chose, et les hommes peuvent t'aider, demande aux hommes. Si tu as besoin de quelque chose que les hommes ne peuvent pas te donner, alors va demander à Dieu. Alléluia. Là, tu demandes. Quand tu rentres en toi, après avoir foulé ton héritage, la bouche.
Vous voyez ce que j'ai dit? Pour ce soir, je suis en garde. Comment? L'homme peut voir quelque chose. L'homme peut entendre une parole. Mais par la suite, rien ce que lui-même a fait. À cause quelquefois des pressions. Devant les témoins. Tu es roi d'Israël. David savait que Samuel n'était pas n'importe quel prophète. La Bible dit, Dieu ne faisait tomber aucune parole qui sortait de la bouche de Samuel. J'étais roi encore roi d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Vous savez, la persécution qu'a connue David. Pendant qu'il était en train de fuir sa vie, un jour, David a dit, roi Akish, garde mes parents jusqu'à ce que je sache ce que je deviendrai. Or, il était censé savoir qui était le prochain roi. Amen. C'est pourquoi chaque instant nous avons besoin du soutien de Dieu. Vous savez quoi? Entre l'Égypte et Canaan, il y avait un chemin où l'Éternel pouvait faire passer Israël en 3 jours. Il pouvait atteindre Canaan. Et vous savez ce qu'il avait dit? L'Éternel Dieu dit à Moïse, je ne le ferai pas passer par là. De peur que le peuple se détourne en chemin à cause des combats qu'il va connaître. Amen. Et pourtant, la promesse était vraie. L'objectif à atteindre était déjà établi par le Seigneur. Mais l'amplitude du combat peut faire que le peuple dise. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le contour du désert. Chemin faisant. Le peuple est en train de connaître des petits combats. Mais il avance jusqu'à atteindre l'objectif. C'est pourquoi vous verrez les gens de ce monde dire ce qui vient de Dieu tarde toujours. Ah, ce qui vient de Dieu tarde toujours. Oui. Ce qui vient de Dieu tarde parce que Dieu a pensé et nous a sagi et nous a fermé et nous rendre résistants pour son bonheur et pour notre bien. Amen. Une fois que vous arrivez dans votre être intérieur, c'est pourquoi j'aime ceux qui écrivent quelquefois les messages qui me sont. Même quand il y a l'air d'avant. Ah, t'as quoi, c'est le quoi? Vous savez, je vais vous donner un témoignage avant de continuer. Mon père spirituel, un jour, il a traversé vraiment un désert. Il a traversé un désert de 10 ans. Et quand l'Éternel s'est résolu de le restituer, il a pensé de le rétablir. Il était en train de prier. Dans son garage. Comme un lieu de prière. Il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait rien. C'était seulement une parcelle. Voilà. Une parcelle qui louait et qui avait un garage. Il a pris ce garage comme un endroit. Pendant qu'il priait, il a vu quelqu'un lui donnait
une voiture. Encore une autre voiture. Ah, quand tu finis la prière, il est en train de partager avec son épouse. Il dit, ah, voilà par là que j'étais en train de prier. On a donné telle voiture. On a donné encore telle voiture. Maintenant, il y avait un couple missionnaire. Ils connaissaient, c'était des blancs. La femme avait une voiture Opel et l'homme avait une Mercedes. Et quand il a dit à sa femme, sa femme lui dit, ah, l'Éternel défend de convoiter les biens de Dieu. Et l'homme a dit non, je n'ai même pas pensé à ça. Et la femme lui a dit non, ça c'est ces gens de pensée. Ça c'est la convoitise. Alors ils se sont arrêtés là. 2 mois après. Alléluia. 2 mois. Lorsque l'Afdel était en train de progresser. Ce couple missionnaire va appeler. Les hommes de Dieu qui connaissaient. Ils étaient au moins au nombre de 25. Ah, ils ont commencé à parler. Nous sommes obligés de rentrer parce que voilà, nous sommes rappelés par l'ambassade. Le climat n'est pas bon. Ah, vraiment, nous avons passé des bons moments. Si l'éternel n'est pas arrêté par la suite, on va se rencontrer. Mais nous n'avons rien à vous donner. Et ils ont disposé les enveloppes que l'Éternel leur avait données. On sent bien voir qu'ils ont placé dans les enveloppes. Ah, pasteur, ça c'est pour vous. Oui, c'est pour moi. Pasteur, bonjour. Ah, prophète, voilà. Ils ont servi tout le monde. Il est resté. Les autres sont partis. Ah, ils ont prié ensemble. La femme a dit, moi c'est lui. Je ne vous ai pas remis l'enveloppe parce que pendant que je suis en train de prier, le Seigneur m'a dit de vous donner ma voiture pour vous. Pendant qu'il parle à l'homme, pendant qu'il parle à l'apôtre, l'homme est rentré dans la maison. Il dit, je ne pouvais rien faire si ce n'est accomplir ce que Dieu voulait. Il lui a remis les mandats. Et l'homme est en train de sortir. Il dit, bon, apôtre, l'homme sait que mon client, Seigneur, que je vous remette ma voiture. La femme dit quoi? Moi, c'est le Dieu aussi, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Je m'a dit. Donc, je ne pouvais que faire la volonté de Dieu. On lui a remis 2 contacts. Ils ont béni le Seigneur. Ils prennent le véhicule. Devant le portail, ils klaxonnent comme les enfants savent que papa n'arrive pas à descendre. Ah, peut-être que c'est quelqu'un qui est venu rentrer. Ils sont venus ouvrir le portail. Et la voiture est entrée. Comment reconnaissez la voiture? C'est maman telle. On voit papa à l'intérieur. Maman, il était dans la tête. Et maman sort. Maman dit oh, ok, la voiture. Il dit, c'est là, la Zulia, tout sur le là. Il dépose le père, il rentre la pierre, il va aller prendre une autre voiture, il l'amène, il dit, je t'avais dit, je ne convoitais rien, je n'y pensais même pas. Mais la femme m'a dit, et quand nous étions là-bas au monde, au moins de 25, l'homme a dit que Dieu lui a dit de me remettre ça. Que l'Éternel lui a dit de lui remettre sa voiture. Faites attention. Il peut y avoir un ravin entre ce que tu vis et ce que Dieu te promet. Mais quand
territoire. Il dit la tribu de Benjamin. Vous prendrez de telle frontière à telle frontière. La tribu de Judas. Neftali. Aser. Zabulon. Issachar. Dan. Toutes les tribus étaient orientées vers le. Dieu est vraiment un protecteur. Hein?
Donc, aux armes, on ça s'appelle la 4 signes. Ton problème, je me rappelle encore une fois, je suis tombé sur un sirop de kini. Hein? Non, c'était. Pas interdit, c'est sur la. Comment c'est le canon? Nivakin. Amandiakin. Ah, Amandiakin. Il y avait un parfum. Les amis, la solo. Mais quand j'ai mis. Il y a du tout. Attends, on a tiré la pomme d'un coup. Bien aimé. On est gamin. Maintenant, il fallait chercher des sirops qui étaient sucrés pour compenser. C'est rien pour le pasteur qui s'est assoucalé pour la compenser. C'est pour la mer. Pour le wana. Et pendant qu'on était en train de. J'étais en train de chercher. De l'autre côté là-bas, mon grand frère voulait aussi que je lui laisse pour que. Ah, mon frère, tu t'es déjà quitté, on s'est retourné. Donc, c'est mon frère. Mais bien, mais si tu nous envoies à la tête, tu peux t'intoxiquer pour couffrir. Et j'entendais quelques femmes. Mais les médicaments sont en train de devenir comme ça. Ils utilisent ça. Non, mais il y avait des gens qui étaient en train de penser. Amen. C'est pourquoi on écrit. Il y a un peu de ne pas mettre à la porte. La porte. Mais il y a aussi des prières comme ça. La foi basse. Parce que vous comprenez mal à mon âge. Parce que ça peut te scandaliser. Et yeah, moi, nous sommes en train de dire ça par rapport à la relation que j'ai avec vous. Okay? Une fois, je le disais, lors d'une prédication quelque part, les gens étaient en train de me regarder. Je suis en prière, il y avait une opportunité là. J'ai sacrifié une journée. Tu as donné un message. Tu as donné un message. Ça fait, je crois, ça faisait, je crois, deux jours après. Il y a quelqu'un qui m'a contacté et puis on a parlé. Il m'a parlé de la femme qu'il avait. Il m'avait donné 3 000 dollars. Mais, ma réaction, certains n'ont pas compris ça. Parce que la même chose, c'est mon message. Quand je suis rentré à la maison, je suis rentré dans la chambre. J'ai pris cet argent de 3 000 dollars. J'ai dit au Seigneur. Donc tu t'es permis de me pousser dans un jeûne. $3,000. Je lui ai dit pour faire que moi je vais. Tu es à la fin de $3,000 pour chez les frères. Vous savez pourquoi? Parce que moi j'estime que Dieu c'est mon père. Dieu, c'est un père. Déjà, le mal, je suis tombé sur un documentaire. Où on parlait d'un riche saoudien. Il donne à son fils $10,000 comme argent de poche. Ça, chaque week-end, il donne à son fils $10,000 Donc, moi, là, on a pour vous, ça va fonctionner. Il y a pour nous. Avant de foutre, va vous faire un peu. Il y a beaucoup de gens qui ça va, non? S'il prend le fisc, comment $100 pour un fonctionnaire, ça fait 250 000 francs. Donc, avant de vous avoir combien? Moins 100. Hein? Moi, dans ma cabine, pour ma grande époque, a foutu 100 fonctionnaires. Il y a l'État, la commune. Alors, comme je vois, un homme mortel, un païen, sans prière, sans jeûne, il donne à son fils $10,000. Moi, fils de Dieu, quand je regarde la richesse qu'a Dieu, et il me pousse à la prière, je le dis en face, cet acte ne mérite pas la merci. Non, non. Hey. Dans mon roi, il fallait aller à la main. Et le Seigneur, il m'a pas si il y a un peu de temps. Mais mon colon a besoin.
maison, il y a 3 millions de dollars. Mais ça, il ne peut pas faire le bon. Il y a 3 millions de dollars, on va enseigner dans la journée. Alors, le jour où j'aurai besoin de 3 millions de dollars, tu vas me coûter pas. Vous comprenez? Alors, si tu n'es pas fermé en écoutant et qu'il te dit, tu vas être scandalisé. Mais moi, je le dis parce que. Je suis en train de me faire un peu de temps. Mais la seule taille fortune, on a besoin. Tu as assemblé la relation au présent, on a eu, on a assemblé la connaissance, on a assemblé la salut, on a assemblé la protection et tout. Ce genre de mots, on va rappeler la opportunité, ça va pour la tata. Comme ça, j'ai rencontré le servant de Dieu. Bon. J'ai voulu la première vie rigoler par rapport à ce qu'elle parlait. Mais j'ai compris. Qu'est-ce qu'elle était en train de dire? Elle dit, docteur, on a dit la prière. Nous avons raté la prière. On a dit, si nous avons des âmes, nous avons des âmes responsables. Comprenez ce qu'elle dit? Parce que c'est n'importe. On n'a pas de pitié. La connaissance que vous avez de Dieu peut vous permettre de mieux revendiquer. Il y a une certaine dimension de revendication qui ne doit pas être considérée comme un manque de respect. Moi, je l'ai dit. J'ai vécu ça avec mes enfants. Il y a là un paquet de biscuits. Alors, soit je suis mon haut, paix à mon haut. Vous allez voir, il va répondre. Il y a des moments quand je parle à l'Éternel, je lui fais savoir comment agir ses âmes. Et moi, je considère pas ça comme un manque de respect. Parce que l'enfant voit ce que j'ai. Et il regarde la relation que nous avons. Il dit en tant que père, tu ne peux pas me donner ce que tu veux. Non. Et il exige. Qui peut lui apaiser. Amen. Caleb a dit à Jésus, donne-moi cette montagne-là. Et pourtant, la Bible n'a jamais dit que c'est chacun qui allait réclamer son héritage. C'est ton héritage. Assez. Voici ton héritage. Neftali. Voici ton héritage. Mais Caleb n'a pas attendu ça. Il est venu dire à Josué. Donne-moi cette montagne. Donc tu as parlé l'Éternel. Parce que j'avais foulé mes pieds sur cette montagne. Et la Bible dit, Josué. Josué. Confia cette montagne. Parce qu'il était témoin de ce que Moïse avait dit avec la part de l'Éternel. Est-ce que tu sais que tu as un héritage? Est-ce que tu sais que tu as une promesse que tu dois dans ta vie? Non par ta force, mais par la force de l'Éternel. Moi, c'est là que je suis là. Je ne fournirai aucun effort pour que tu aies ce qu'il a dit. C'est à lui de fournir des efforts pour qu'il accomplisse ce qu'il a déclaré. Comment est-ce qu'il dit? Vous savez, et Dieu te donne une relation comme ça. Il y a une femme, la femme des pasteurs. Le pasteur est nigérien, il s'appelle le pasteur Daniel. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi son témoignage. Ce pasteur est mort et retrouvé, revenu à la vie. Oui.
Certains ont déjà suivi son témoignage. J'ai beaucoup aimé son témoignage. À chaque instant que l'homme recevait un message de la part du Seigneur, il écrivait cela. Il partageait avec sa femme. Amen. Et la femme savait qu'est-ce qu'ils attendaient. Mais arrivé à un certain moment, le pasteur a connu un accident. Un accident très grave. Il est rentré dans un ravin. Il a connu sa poitrine sur le volant. Parmi les dangers de la conduite, il y a le volant. Si ça vous percute au niveau de la poitrine, c'est pourquoi vous allez voir que dans des pays normaux, si on met la main sur vous et que vous roulez sans ceinture de sécurité, c'est une infraction. Et là, un beau baron, le monde a mis une ceinture, mais ceinture est ça la ceinture. Amen. La ceinture de sécurité, quand tu mets ça, et que tu veux te pencher brusquement, quand ça fonctionne, la ceinture est liée. Et ce monde, vous allez brusquement ceinture est liée. Il va rester à zéro pour ça. Le pasteur a cogné le volant. Et là où il était, là, il a commencé déjà à vomir. Dans le champ, il était tellement bas. On l'a sorti, on l'a amené aux urgences. Il avait le sang dans les narines, dans les oreilles, dans la bouche. On a compris que c'était vraiment un choc grave. Il avait une mort. Quelques temps après, il est décédé. On a fait tous les examens cliniques, il est décédé. On l'a pris, on l'a placé dans la mort. Il y a même un musulman qui l'avait administré, il avait administré le formol. On est allé dire à sa femme, l'église et tout, voilà. Bon, il est parti. Il a poussé. Maintenant le père de ses pasteurs avait exigé que le corps de son fils vienne à Onitsha. Sont en train de partir au vent. Arrivé quelque part, il y avait un rassemblement de foules. La femme qui était dans une voiture a posé la question de sa part. On dit non, c'est une croisade. C'est Renard Bonquet qui était en train de prêcher. Et il a demandé à ceux qui étaient là, est-ce que vous pouvez nous permettre, Seigneur, d'aller prier pour que nous puissions continuer. Certains commençaient à résister. Mais les gens ont dit non, c'est pas grave. C'était un pasteur, c'est la femme. Bon, on peut prendre le temps de prier et continuer. Et ils ont gardé. Mais elle a demandé qu'on fasse descendre les cercueils pour qu'ils aient prié. Là, on commence à dire, mais finalement, non, c'était un pasteur. Alors, Dieu a saisi les cœurs de ceux qui étaient là. Ils ont descendu les cercueils. Ils ont amené les cercueils. Là où il y avait des gens commençaient à fuir. Alors, elle était en train de dire à l'Éternel, je suis dans ce cahier des sons. Certaines paroles qui ne se sont pas encore entendues. Tu as donné des précisions. On dit aux gens qui portaient les cercueils, si ça va scandaliser les gens, est-ce que vous pouvez mettre ça dans cette maison? Pendant que la femme et les autres sont en train de prier, mettez ça au moins dans cette maison qui nous sert. Ils ont amené les cercueils. Et pendant que les
prédicateur était en train de prêcher. On a entendu des bruits dans les cercueils. Les gens qui étaient là commençaient à s'approcher. Ils entendaient quelqu'un qui tapait. Alors quand ils ont ouvert, l'homme est revenu là-bas. Il parlait. Il était en train de bouger. Mais pas tout le corps. Alors on a sorti et le bruit est allé jusqu'à l'extérieur. On a quelqu'un qu'on avait amené dans les cercueils. Mais regardez le contraste. Celui qui était en train de parler déjà, mais son corps était dur. Parce que quand on lui avait administré le format, quelqu'un a pris l'initiative, il dit, nous avons commencé à le masser. On a enlevé la veste qu'il portait. Il avait mis en dessous. On a commencé à le masser. On a massé. Il parlait. Il était en train de dire, où sont mes notes? Où sont mes notes? Les gens ont dit, non. Tu n'avais pas eu de notes. Il dit, non. J'avais le phare. Avec les notes à l'intérieur. Lorsque on l'a amené dans la salle, pour témoigner, et les gens qui l'accompagnaient, et sa femme, tout le monde était en pleurs. Les gens étaient en train de crier. Bien-aimé, lorsque vous l'approchez, vous sentez l'odeur du format. La personne est revenue. Vous savez pourquoi? Pour la possibilité de revendiquer son héritage. Qui avait dit? Mais je n'ai pas vu. Quel homme ne dira à l'Éternel? Tu m'as promis. Tu n'as jamais réalisé. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu n'a jamais été un menteur. Aucun homme ne fera de Dieu un menteur. C'est pourquoi il pose la question à Jean. Qu'est-ce qui a la folie d'obscurcir les desseins de l'Éternel? Et quand tu as la connaissance, tu pries avec précision. Comme Caleb, donne-moi cette montagne. À parler de l'Éternel. Donne-moi cette montagne. À parler de l'Éternel. Et il a possédé cette montagne. Je ne sais pas bien. En tant qu'un héritier, as-tu la connaissance de ton héritage? Est-ce que tu peux réclamer aussi ton héritage? Tant qu'un héritier, tu dois le droit. Vous savez, à un certain moment, l'église, c'est vraiment dur. Ils avaient pas. J'ai entendu un enseignant, un prédicateur, qui à l'église. Invitez ma maman, souviens-moi là où il y a moi. Il dit, regarde, comment est-ce que les sorciers quelquefois vous en foutent la nuit? Il prend un pain. Commence à parler. Si ce n'est pas mon enfant, avant qu'il ne soit pas mon neveu, avant qu'il ne soit pas ma soeur, il n'ira pas de l'avant, il n'ira pas ceci. Il vous escapera de tout. Lorsque vous réveillez la nuit, prenez quelque chose, même pendant le jour, vous commencerez à faire des déclarations. Personne ne va m'arrêter, personne ne peut bloquer mes avoirs. Personne ne peut attaquer. Alléluia. Mais on entendait l'église dire Amen. Et maintenant, nous voulons prier. Ma maman peut aussi dans quatre églises. Mon docteur, la prière est basée sur ce que l'Éternel a dit. La prière n'est pas basée sur ce que les autres disent de toi.
La prière, c'est merci de l'Éternel. Dieu ne te donnera pas des enfants parce que les gens se moquent de toi. Dieu te donnera des enfants parce qu'il a dit, il n'y aura ni stérile, ni une femme pour la porte en Israël. Il ne dit pas à l'Éternel, voilà ce que ma vie est devenue. Non. Le Seigneur a dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous puissions être riches. Là, quand tu fais le coup à la parole, tu mets Dieu devant tes richesses. Un héritier doit savoir réclamer son héritage. Comprends ce que je dis? Il doit savoir réclamer son héritage. Dans le moment de famine et de crise, dis à l'Éternel Dieu, il est écrit dans ta parole. Amen. Ce soir, je voudrais parler à un héritier et prier avec quelqu'un qui reconnaît son héritage. Et tu dois voir une revendication. Tu dois élever la voix et dire quelque chose par rapport à cet héritage. Vous savez quoi? Dans une famille normale, Dieu n'a jamais prévu qu'un parent enterre un enfant. Partout où vous avez vu un parent enterre un enfant, il y a le symbole du maladie. Soit là, doit être dans une piste mauvaise. Si pas le deux, là, dans la preuve, regardez dans la Bible. Tous les parents qui ont enterré les enfants ont eu un problème avec Dieu. Premièrement, Adam est le premier homme à enterrer son fils.
Pourquoi? Dieu a prononcé une malédiction. Cette famille. D'accord. Caïn a tué Abel. Et Adam a enterré son fils. C'est la famille. Juda. 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 Le fils de Jacob. Il a enterré. Des enfants. On est d'accord? Pourquoi? Parce que la Bible dit le fils de Juda ne craignait pas l'Éternel. De Kishlon et Machlon. Kishlon et Machlon. D'accord. Le mari de Naomi. La Bible dit quoi? Ils ont quitté Bethléem. Ils ont quitté la présence de Dieu. Et ils sont allés dans une nation païenne. Loin de la présence de Dieu. La malédiction a frappé. La famille. La Bible dit dans le livre de Job 25. Tu n'auras pas des enfants pour le voir périr. Les enfants vont t'apporter dans la tombe comme une gerbe à sa vieillesse. Le bon appel à c'était la Amen. Amen. Dieu n'a jamais prévu ça. Jamais. Quand tu vois ça, c'est bien à savoir. Il a dit tes enfants vont t'apporter dans la tombe. Comme une gerbe dans sa vieillesse. Le quoi la présence pour l'eau dans le paquet. Le dit fleur, celui qu'on met dans le hein, il c'est ce que Dieu donne comme. Je veux que nous puissions prier. Ce soir. Tu vas revendiquer ton héritage. Je ne sais pas dans quel domaine. C'est comme un héritier avec toi. Tu vas faire appel à ton héritage. Tu peux aussi refuser une manière de vivre. Tu peux refuser une manière de vivre. Non. Non. Je ne mérite pas ça. Parce que l'Éternel est mon papa. Lève-toi là où tu es. J'aimerais que nous puissions prier ce soir. J'aimerais que nous puissions faire un peu intervenir la connaissance que nous avons sur l'héritage. Et nous allons revendiquer cet héritage. Ce soir, j'aimerais que tu commences à prier. Voilà, ton nom de Dieu. Yandari,